Hello, everyone. We're just about to start. So this is the session on the SDGs and K-12 education. My name is Isabelle Laval-Chiasson, and I work at the Canadian Commission for UNESCO as the Education Program Officer. And I will be your moderator for this session. So just a little bit of housekeeping before we start. You can essentially listen to this session in the language of your choice. It is a fully bilingual session. I will be switching from French to English. We'll actually have two panelists speaking in French, two in English. So you can just select the official language of your choice by clicking on the bottom right under interpretation. There's also a chat box and a Q&A, and I welcome you throughout the session to actually write your questions down, and that'll help populate our Q&A session right after we hear our panelists. So I can't begin this session without really mentioning the profound impact that COVID-19 has had on the public education systems from around the globe. As of mid-April, over 90% of the world's student population has been affected by school closures. So let me repeat that, over 90%. That includes 1.6 billion children and youth around the globe. This situation is really unprecedented in the history of education. So this being said, we really can't lose sight of the Sustainable Development Goals. Currently, all UN reports indicate that we are not on track to meet any of the SDGs by 2030. The situation has probably actually worsened in many countries due to the pandemic. So, and as we all know, education can play a really critical role in achieving the SDGs. So I will start by framing this topic through an international lens, and then afterwards jump into the Canadian context. Donc pour le contexte international actuel, comme réaction de la pandémie de COVID-19, les pays se hâtent de trouver des solutions d'apprentissage à distance, comme des programmes éducatifs à travers la télévision, la radio, ou même des classes virtuelles, comme on a vu dans plusieurs provinces au Canada. Cependant, ça devient très vite évident que ce sont les enfants les plus vulnérables qui risquent de perdre encore plus de retard. Pour répondre à cette situation, l'UNESCO a lancé la Coalition mondiale pour l'éducation. Cette coalition vise à favoriser les possibilités d'apprentissage inclusif pour les jeunes et les enfants en cette période de perturbation soudaine et sans précédent de l'éducation. Cette coalition permet aux États membres justement de partager des meilleures pratiques entre elles à travers des webinaires hebdomadaires sur les dimensions éducatives de la pandémie de COVID-19. Et justement, ces webinaires sont ouverts au grand public. Elle assure aussi le suivi des fermetures d'écoles et met au point des solutions d'apprentissage à distance et des recommandations. Je vous invite vraiment à visiter le site web parce que c'est vraiment un portail d'informations et je le partagerai dans le chat juste après ma présentation en français et en anglais avec vous pour le visiter plus tard. Now for the Canadian context of this topic. At the Canadian Commission for UNESCO, we've been exploring how we could further support students in Canada during this pandemic. As you're all aware, education is a provincial and territorial jurisdiction, and all provinces and territories have developed online resources to support teachers, students, and parents during the school closures. But really, in order to leave no one behind, we need additional approaches and resources. The Canadian Commission has developed a key tool, a new teacher's toolkit, which actually has activities and resources for students of all ages on the SDGs and include themes like the human rights, global citizenship education, education for sustainable development, climate action, and reconciliation. I'll share with you the link to the resource via the chat later in the session so you can further explore it later today. But what I'm really excited about right now is to introduce to you our four panelists, because this session is really about sharing concrete ideas and ways that we can introduce the SDGs
within the classroom or right now virtually at home for students to keep learning about the Sustainable Development Goals. We can't lose sight of Agenda 2030, even during this pandemic, as we know that this is critical and youth will play a critical role in for us to achieve them. So without further ado, I'm very excited to present to you our four panelists. We will start by hearing from Juliet Waters. She is the Chief Knowledge Officer at Kids Code Jeunesse and actually a partner of the Canadian Commission for UNESCO with our algorithm literacy campaign. So we're very excited to hear from her first. We will be following up with Amy Bosch. She's the Education Program Officer at the Saskatchewan Council for International Cooperation. And I actually had a chance to meet her last year through the Inter-Council Network at the National Spur Change Conference when people used to get together face-to-face, if you remember that. Thirdly, we will be hearing from Lydia Tuisi. She is from Collège Beaubois, located in Montreal, and also excited to hear from her as she is a member of our UNESCO Schools Network. So a very practical perspective from a school perspective. And lastly, we'll be hearing from Sarah Jeanne Parent, a research professional from CIRAD, which is a specialized center on sustainable development, and they are actually also a member of UNIVOC, which is the UNESCO International Center for Technical and Vocational Education and Training. She'll also be intervening in French, and also super excited to hear from her as I've been following their work closely. So they will each be given 5 minutes to intervene. I'll interject in between to do the transition, and I'll keep my camera on and just give a 1 minute cue. And then after, as I said, as you're listening and learning and have further questions, please use the Q&A, and we will use that for our discussion at the end. So I'll give the floor now to Juliet, who will start us off by sharing some of her innovative ideas and innovations from Kids Code Jeunesse. Thanks, Juliet. Thank you, Isabel. And I'm very excited to be here and really, really grateful for this opportunity to let you know a little bit about Kids Code Jeunesse and talk about our adventure in bringing high quality digital skills to children across Canada, particularly to girls and to kids from more vulnerable groups. So I guess it was about 6 years ago, a little over 6 years ago, that I said yes to a challenge. And I didn't realize until I said yes how terrifying this challenge would be, but I agreed to go into a classroom of fifth graders and teach them and their teachers how to code. And at that time, there were not a lot of people doing this. There weren't a lot of resources. We weren't quite sure how teachers were going to react or respond to this idea. And people thought what we were doing was kind of odd. Why would we be teaching elementary school kids computer programming? But we really, really felt deep in our bones that this was going to be something very important to prepare future generations, and particularly girls who weren't getting the opportunities that boys were getting quite early in their life. So we were really quite surprised and excited, not just to survive our first attempts at this, but also to see that the reception from teachers was really, really strong and quite enthusiastic. So 6 years later, we have trained over 50,000 teachers. We have worked with over 300,000 kids across Canada in every province, in every territory, in urban and rural areas, in both official languages. And now, I mean, you know, 6 years later, coding is in most provincial curriculums. If it's not officially, it's in the process of coming into probably your provincial curriculum. And not just in Canada, but around the world. Last fall, I had the privilege of being able to go to Nairobi for the Creative Coding Conference and to work with educators there. And Kenya has been bringing, is introduced code into their curriculum this year. So having now met this challenge and created really sustainable communities of practice across Canada, and to give you an idea of how sustainable, I mean, during COVID, we had previously overseen Code Club Canada.
we were able almost immediately to bring that on to virtual Code Club and train up volunteers and be able to continue that online with kids. And there's over 1,000 Code Clubs across Canada. So there were some really good communities of practice in place already. Not just thanks to us, but very much thanks to the teachers and the parents that joined us on this journey. So having kind of made this challenge sort of sustainable for now, this year we took on the challenge now of taking all of this courage and enthusiasm we saw with teachers and really putting it towards the SDGs in a very formal way. Trying to create projects around climate change, trying to get kids and teachers to think about ways that they can use technology to find problems in their community. But in particular, we were really interested in the challenge of introducing AI to classrooms and to teachers. And now we're kind of getting the same kind of, or when we started, we were getting the same sort of odd looks like AI algorithms in classrooms. I mean, there are computer scientists that can't explain how their AI algorithms are coming to the answers that they do. And if they had to work by the standards that fifth graders are held to, they would lose a lot of marks for lack of explainability on their algorithms. So how are we going in and starting a discussion with fifth graders and teachers on this quite complex subject? So one thing we did is we started to work with CC UNESCO and we put together a little video conversation starter, which I'll put up on the chat. I'll put the address, the Algorithm Literacy Project at algorithmliteracy.org. And this is not a full-on explanation of AI algorithms, but it's enough to get kids thinking about how AI is functioning in their environment and enough to give teachers some materials to start some discussion. To Code Club, to the resources that we have, get kids started on coding. And we have a few other challenges coming up, a big Kids 2030 challenge. And I put my timer on. I hope you were all able to hear me. I got a little message that my internet connection is not stable, but I'm going to stop now and turn the Digisphere back to Isabel. So thank you very much. Thank you, Juliet. Right on time. I really appreciate how Kids Code Gen S is bringing in that AI and that technology aspect and the importance of coding and that gender lens of for girls. I really appreciate, I mean, Juliet didn't mention this quite, well, she mentioned the project, but they do have a hashtag Kids2030, and that's basically essentially what she was describing, which is like exploring what is the impact of artificial intelligence and ethics and really through a kid's lens. So I think that's a really interesting angle on the SDGs and bringing that to kids and children in the classroom and at home. As I said, right now, people are learning from home in many parts of the world and across our country. So, and thank you very much, Juliet, for bringing that particular angle on the role of technology as we're moving forward. And I think there'll be a lot of future thinking about the future of education and how this will play a really integral way of how we're learning, teaching in the classroom and outside of the classroom. I'm now going to give the floor to Amy Bosch from the Saskatchewan International Council Corporation. Hi, everyone. Excited to be here with you today. I wish I could see all your smiling faces. You're probably in your pajamas, so it's okay. As Isabel mentioned earlier, I'm the Education Program Coordinator at the Saskatchewan Council for International Cooperation. The majority of my work is with educators throughout the province, working to advance the SDGs, global citizenship education, and the FEOP action areas through young people in our province. So here at the Saskatchewan Council for International Cooperation, we recognize that the challenges that face humanity are increasingly global in scope and therefore require global solutions, especially during this time of COVID. This has significant implications for K-12 teachers, teacher educators, and curriculum development people who are responsible for educating the next generation of global citizens.
So SCIC believes that in order to move humanity towards sustainable, peaceful solutions to global challenges, schools need to prepare students to become critically informed, motivated, globally competent citizens with social problem-solving skills and a willingness to challenge misinformation and government inaction. Through global citizenship education, educators can support the development of 21st century citizens that internalize the values, master the skills, acquire the knowledge, and experience the sense of empowerment needed to tackle these hard issues. So global citizenship education, as identified by UNESCO, acknowledges the role of education in moving beyond the development of knowledge and cognitive skills to build values, soft skills, and attitudes among learners that can facilitate international cooperation and promote social transformation. So in 1988, SCIC conducted a review of global education, as it was called back then, in Saskatchewan schools. The review found that teacher education did not prepare educators to be global educators, and that teachers wanted to teach global education but lacked quality classroom-ready resources. In 2016, SCIC conducted another review of global citizenship education in Saskatchewan schools, which concluded that educators' needs from 1988, unfortunately, had not changed substantially. So SCIC took a look at both of these reviews, and in order to fill that void of lack of classroom-ready resource materials here in Saskatchewan for our teachers, we developed a four-module global citizenship education series. So module one, transforming charity into solidarity and justice. Module two, understanding power and privilege through anti-oppression. Module three, global citizenship education in the classroom. And module four, gender equity, are full of peer-reviewed classroom-ready lessons with additional resources. And while they are based on Saskatchewan curriculum outcomes, we are finding that they are absolutely applicable across regions. And we have many teachers outside of Saskatchewan using these resources at the moment. So we are very happy and very proud here at SCIC to share these modules with educators and parents right now during COVID at home who are looking for a way to teach the SDGs and also global citizenship education at home, through school, through the students. The modules are free of charge to educators and to parents and can be found on our website. I think Isabel is going to share that link with all of you in the chat. And I just wanted to invite everyone today to connect with SCIC and myself as the education program coordinator. On top of these great modules that we've developed, we have many other resources, and we will be sharing them through our social networks in the next few months during COVID. So I invite you to follow us there as well. And we're really looking forward to continuing pushing the SDG agenda forward in Canada. Thank you so much, Amy. On a personal note, I've seen those educational modules. They are amazing and they're great. So it's so great to see partners like that stepping up and seeing where there are gaps in terms of materials for teachers. And I know that you personally have a teacher background and experience. So it's also great to see people switching hats and trying to really support bringing these international issues in the classroom. And I also really liked your point about, you know, noting that the SDGs are really hard issues and that we really need to engage students in the conversation in addressing these hard issues. Because as I said in my introduction, we know that we're not on track to achieve the SDGs. We need every citizen on board. And I think a lot of our innovations and ideas will come from youth, and we need to listen to them and give them space, but also support them in that process. So thank you so much, Amy.
for sharing that. Notre prochaine conférencière est Lydia du Collège Beaubois, qui, comme j'ai dit dans mon introduction, est aussi une école qui est membre du réseau des écoles associées de l'UNESCO. J'ai très hâte d'entendre d'elle parce que je trouve que ce sera vraiment pertinent d'avoir justement quelqu'un dans la salle de classe qui, maintenant, appuie par distance ses élèves, puis pour savoir de comment des actions concrètes qu'on peut appuyer, puis mettre l'agenda 2030 et les ODD, justement, dans les systèmes d'éducation. Donc, à toi, Lydia. Bonjour tout le monde. Donc, Lydia Twizy du Collège Beaubois. On est une école privée dans Pierrefonds qui allie primaire et secondaire. Il y a 2-3 ans, on a créé le Fonds vert. Donc, c'est un fonds où chaque famille contribue à raison de 10 $ par année. C'est des fonds qui sont dédiés entièrement à des activités de développement durable à l'école. Fait qu'avec ces fonds, on a pu acheter des bacs de compost. On a pu acheter une serre, installer une serre. On a le projet de faire des jardins communautaires parce qu'on se trouve dans un quartier de Montréal qui est reconnu pour sa richesse, mais c'est un quartier où la richesse et la pauvreté coexistent. Un quartier où la sécurité alimentaire n'est pas nécessairement là pour tout le monde. Donc oui, on a le projet des jardins communautaires. Donc à l'école, on a aussi une fabrique numérique, fait qu'on essaye d'allier en ce moment des activités horticoles, technologiques et pédagogiques. Fait que par exemple, cette année, les élèves de secondaire 1, pour leur cours d'informatique, ont construit, programmé, pas encore terminé parce qu'on a été un petit peu interrompu dans notre année scolaire. Donc, ils ont programmé, ils ont construit un robot jardin, donc un farm bot. C'est un robot qui plante des herbes arroses qu'on va utiliser dans notre serre. Puis, dans un esprit de développement durable, tout le matériel de ce robot est open source. Donc, c'est quelque chose qu'on peut réparer facilement dans notre fabrique numérique. On essaye aussi de sensibiliser les élèves donc à ce qui se passe après le bac de recyclage. Donc en ce moment, tout le papier qu'on jette, on essaye d'utiliser le moins de papier possible, évidemment, mais tout le papier qu'on utilise, on essaye de l'utiliser ensuite pour faire des pots pour la serre. Donc on va planter des choses dedans. Les élèves ont appris comment fabriquer des petits pots. Puis en ce moment, on en fait des sacs de semences aussi pour envoyer des semences à la maison, dans le fond, parce qu'on a le projet Jardinons à la maison. Donc, on a envoyé des semences dans les familles des élèves de l'école. Puis, on a sur la page Facebook de la serre Beaubois, donc des vidéos qui sont mises en ligne par un enseignant de l'école donc pour apprendre aux élèves comment justement recycler tout ce qu'ils ont à la maison pour en faire des pots, pour en faire des mini-serres, etc. Donc, on a plusieurs buts dans le futur. Ce serait de rendre notre cafétéria zéro déchet, d'utiliser la production de notre serre en fruits et légumes pour faire des collations, puis pour fournir aussi la cafétéria de l'école. En ce moment, on a des subventions de comités de parents, etc., d'associations de parents, pardon. Donc, on a pu acheter un frigidaire à collation, des déshydratateurs à aliments pour faire des goûters. On a un partenariat pour créer des sacs à lunch, pour faire des petits sacs de collation. Puis on aimerait créer un mouvement coopératif, comme je l'ai dit, pour, dans le fond, on est en train d'unifier l'action à l'école, l'envoyer à la maison, puis on aimerait qu'il s'étende à la communauté. Donc, on voudrait miser sur l'entraide, l'échange, le communautaire, le coopératif, parce qu'on aimerait que nos jeunes sachent qu'ils pourraient avoir un impact sur leur société. Et voilà, en fait, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Lydia. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment les actions concrètes qu'on entend qui se déroulent vraiment au Collège Beaubois. Le jardin communautaire, le robot en tel, donc c'est vraiment l'intégration justement de l'environnement, développement durable avec la technologie. Je trouve qu'il est super intéressant. Je crois que c'est vraiment l'avenir lorsqu'on parle de l'avenir, les futurs de l'éducation. J'adore chaque fois que je vois des exemples dans des écoles avec les étudiants, comme je dis, c'est vraiment, c'est inspirant d'entendre tout ce que vous faites au Collège Beaubois. Je sais que
vous, justement, parce que Lydia est enseignante, elle doit nous quitter à 12h45. Donc, je vais m'assurer d'avoir une question pour toi juste après notre dernière panéliste. Donc, juste pour ton information. Je crois que ce serait super intéressant. Je sais que, justement, les enseignants sont très, très occupés de ces jours-ci à appuyer les élèves à distance. Donc, comme c'est le cas encore dans la région de Montréal. Donc, merci beaucoup, Lydia, pour ton intervention. Donc, maintenant, pour notre dernier panéliste de CIRAD, j'ai très hâte d'entendre parler justement de au niveau plus cégep collégial, mais donc des apprentissages en développement durable et les ODD de l'agenda 2030. Donc, je donne la parole à Sarah Jeanne. Oui, bonjour. Donc, Sarah Jeanne Parent, je suis chargée de recherche au CIRAD, qui est un centre collégial de transfert de technologies en développement durable et en innovation sociale. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'appelle Harmonie Intercommunauté. C'est un projet qui se passe dans les écoles primaires de la région. Donc, il a vu le jour en 2002 en Gaspésie, au Québec, dans deux communautés plus spécifiquement de la région, une communauté autochtone et l'autre non autochtone. Le projet est issu de la volonté d'intervenants des deux communautés d'agir sur certaines problématiques des jeunes territoires qu'il y avait à ce moment-là. Donc, on pouvait observer du racisme, de l'intimidation, de la discrimination. Des intervenants des deux communautés se sont alors rencontrés et se sont interrogés sur ce qui pourrait être fait pour améliorer le mieux-être des jeunes, puis par le fait même l'ensemble des deux collectivités. Puis, c'est à ce moment-là que le projet Harmonie Intercommunauté est né de ces rencontres-là. Les activités et les interventions qui sont réalisées là, dans le cadre du projet Harmonie impliquent les jeunes des écoles primaires des deux communautés, puis aussi les adultes qui participent. Les actions mises en place dans les dernières années ont pris différentes formes, des activités éducatives, sportives, culturelles, sociales, qui ont eu toutes comme objectif de mieux se connaître, se comprendre et de partager la richesse culturelle des deux communautés. Des classes de l'école autochtone sont jumelées à des classes de l'école non autochtone et elles se rassemblent périodiquement pour faire des activités. C'est sûr que compte tenu du contexte actuel, il va falloir user de créativité pour trouver des solutions là, innovantes à la poursuite de la création de ces liens-là. Mais depuis ses débuts, là, le projet a permis plusieurs acquis, notamment un rapprochement entre les jeunes des différentes communautés, puis par le fait même aussi une plus grande ouverture entre les adultes. L'une des clés du projet a été de commencer les échanges avec les enfants dès la maternelle puis les premières années du primaire. En travaillant auprès des jeunes du niveau primaire, là, cette culture du respect a eu toutes les chances de s'enraciner dans le développement des enfants, des communautés impliquées, puis d'entraîner aussi les parents et les adultes dans cette aventure-là. Donc, l'idée, c'était vraiment de miser sur les enfants pour que ces générations-là qui auront participé aux activités du projet Harmonie soient dans les années futures des citoyens respectueux, ouverts, qui favorisent l'inclusion. Suite au succès du projet Harmonie Intercommunauté, les organisateurs ont souhaité donner au projet une pérennité puis un rayonnement qui dépasse le secteur où le projet est né. Il y a donc un peu plus d'un an, l'équipe a mis sur pied un projet pilote qui implique d'autres communautés en Gaspésie afin d'expérimenter Harmonie dans un nouveau secteur puis faire des transferts de connaissances. On travaille également à la conceptualisation puis à la réalisation d'un guide qui présente le projet, qui propose des façons de faire, des outils pour favoriser l'implantation du projet Harmonie ou des projets similaires là, ailleurs au Québec où des communautés autochtones côtoient d'autres communautés. Le projet fonctionne avec un comité d'enseignants et des intervenants des milieux scolaires impliqués. Le groupe se rencontre et échange dès le début là, afin d'établir des bases communes quant à la philosophie, les valeurs, les objectifs du projet. Il voit également la planification annuelle des activités. Au sein du comité, il y a deux coordonnatrices qui sont spécifiquement en charge de l'organisation et de la réalisation des activités afin de s'assurer là, de ne pas surcharger les enseignants. En plus des activités sportives et culturelles qui sont déjà présentes au cœur du projet, on a également inséré dans la programmation des activités pédagogiques qui s'inscrivent dans les orientations du programme de formation de l'École québécoise, notamment des activités éducatives qui portent davantage sur l'histoire, sur les langues. Des activités qui ont eu lieu, par exemple, dans les derniers mois, ont été la signature d'un traité de paix symbolique, une activité en classe sur l'histoire des traités et leur signification.
En ce moment, comme je mentionnais précédemment, là, on réfléchit à comment conserver un lien entre les élèves à distance. Il va falloir un peu se réajuster. Une des conditions gagnantes importantes dans le cadre du projet-là, c'est vraiment son aspect collaboratif. Il amène des personnes à travailler ensemble pour le bien-être des collectivités puis à devenir des acteurs de changement positif dans leur entourage. Beaucoup de gens sont impliqués là, dans le succès de ce projet-là. Mais d'abord et avant tout, les enfants, évidemment, les enseignants, les directions d'école, les intervenants scolaires. Également, c'est incontournable d'impliquer les parents dès le début des années scolaires. On les sensibilise à l'importance de la démarche. Puis, il y a certains parents aussi qui étaient présents aux activités. Donc, en conclusion, bien, chaque citoyen a un rôle à jouer pour réduire les inégalités puis combattre l'exclusion sociale. Et l'élimination des pratiques discriminatoires passe par l'ouverture, la curiosité, l'écoute, qui constituent des valeurs inhérentes à l'éducation et qui sont facilement transmissibles aux enfants qui sont les leaders de demain. Donc, c'était brièvement le projet Harmonie intercommunauté. Merci. Merci beaucoup, Sarah-Jeanne. C'est une autre perspective super importante et pertinente pour le Canada. C'est vraiment une description d'un projet de réconciliation entre faire le partage de connaissances entre une classe autochtone et une classe non autochtone. J'apprécie beaucoup aussi l'échange de savoir traditionnel, savoir autochtone et des aspects pédagogiques concrets pour les élèves. Puis, bien sûr, pour moi, j'adore les actions concrètes, donc même le traité de paix symbolique et ces exemples-là, c'est vraiment super important et un très beau projet de mettre en valeur. Donc, merci beaucoup pour cette contribution-là et ce partage d'informations-là. Sarah-Jeanne, j'ai juste partagé une description, un lien de votre projet, mais je vous invite aussi, s'il y a d'informations plus concrètes, justement, comme vous avez parlé d'un guide, de partager aussi aux participants via la chat pour voir comment que les gens peuvent apprendre davantage sur ce projet. Donc, maintenant, on va se lancer dans la période de questions-réponses. So we're now entering the Q&A. So I invite everyone who is joining us virtually to use the Q&A section of the chat to write down any questions that you have for a specific panelist or for the whole group. And I'll be moderating this section. Donc, je vous invite à écrire toutes vos questions dans la section questions-réponses et ça peut être soit pour une personne, un projet en particulier ou pour tout le groupe. Mais comme j'ai mentionné, je vais commencer par une question pour Lydia parce qu'elle doit nous quitter bientôt. Puis je pensais que ce serait vraiment important puis intéressant de savoir d'une perspective vraiment dans un collège avec les étudiants. Donc, pour moi, c'est plus par rapport à comment est-ce qu'on peut appuyer les enseignants pour faire une meilleure intégration des ODD dans le système d'éducation. Donc, on sait que les enseignants sont très en beaucoup de travail, vraiment juste de suivre la base du curriculum et d'essayer d'être créatif avec les élèves et différentes méthodes d'apprentissage. Mais comment est-ce que on peut, puis nous, je veux dire vraiment la société civile, on voit qu'on a comme des panels des ONG, des organismes à but non lucratif, bien sûr, il y a les ministères de l'éducation et quoi que ce soit, mais quels outils seraient nécessaires pour s'assurer que tous les élèves sont introduits à l'agenda 2030, aux ODD, puis que c'est une partie vraiment intégrale du curriculum? En ce moment, le problème, en fait, c'est qu'on doit inventer les liens entre le développement durable et tout ça avec nos programmes nous-mêmes. J'enseigne le français, donc ça s'intègre assez bien. Dans le fond, c'est un cours où on utilise la langue, donc on peut l'utiliser pour parler de plein de choses. Mais il y a des matières dans lesquelles c'est un peu moins évident. Évidemment, là, on remarque que les élèves ont un intérêt marqué pour tout ce qui est développement durable, pour tout ce qui est environnement, c'est que c'est quelque chose qui nous motive énormément. Puis, on a la chance d'être une école où on a été capable de charger quelqu'un d'intégrer le développement durable à l'école. C'est
c'est son emploi, en fait. C'est une personne qui est responsable du développement durable à Beaubois et c'est une personne qui est notre ressource, en fait. C'est une personne qui va venir développer des projets avec les enseignants en lien avec nos programmes. Fait que c'est quelque chose qui aide énormément. Mais c'est sûr que il y a énormément d'écoles où on n'a pas ce genre de ressources-là. Puis, ce serait intéressant qu'il y ait des projets, justement, de développer, puis qu'il y ait des liens vraiment explicites avec nos matières, dans le fond. Parce que souvent, on n'a juste pas le temps si les liens ne sont pas explicites, puis si c'est juste un surplus qu'on doit rajouter dans nos cours. Donc, voilà. Merci. Donc, c'est vrai que chaque école va être structurée de façon différente. Donc, c'est vraiment bien lorsqu'il y a une personne ressource qui peut être le point focal. Mais je crois que ce que Lydia dit, c'est important de savoir que vraiment, on a besoin de l'appui de la communauté, des parents, des étudiants et tout ça pour faciliter justement la créativité et l'innovation dans les méthodes d'apprentissage. Puis aussi que le gouvernement fédéral a justement investi beaucoup récemment sur l'agenda 2030 et sur les ODD, en particulier les fonds qui vont aux organismes à but non lucratif, justement pour faire rayonner les objectifs de développement durable. Parce que je crois que, tu sais, ils ont été lancés en 2015 et on a réalisé que même après ça, ils n'étaient pas très bien connus à travers le pays. Je dirais que ça dépend dans les différentes provinces et territoires. Puis, bien sûr, à cause que l'éducation est plus régionale, comment est-ce qu'on peut mieux l'intégrer dans le curriculum? Donc, je sais, par exemple, que Amy, en Haute-Saskatchewan, ils ont fait le pont entre les modules d'éducation et le curriculum au Saskatchewan, qui est clair que ça aide. Mais je dirais qu'il y a certains outils que moi, je vois, comme éducatrice aussi, qui pourraient être utilisés à travers le pays. Et c'est vraiment un intérêt pour moi, la Commission canadienne pour l'UNESCO, de voir comment est-ce qu'on peut faire le partage de ressources entre provinces et territoires. Parce que je crois que des fois, on manque beaucoup, puis qu'il y a des très belles ressources, mais que les gens ne savent pas vraiment que ça existe. Oui. Ben dans le fond, je fais juste pousser un petit point là-dedans. C'est que donc mon école est au Québec. Et notre système d'éducation, ça va faire une vingtaine d'années qu'il est en place. Puis en général, un programme d'éducation aurait une durée de vie d'environ une vingtaine d'années. Je pense que c'est le temps de le renouveler en entier, dans le fond, puis d'intégrer justement les enjeux d'aujourd'hui dans le programme d'éducation. C'est plus juste une question de faire des liens. Je pense que c'est vraiment une question que ce soit partie intégrante de ce qu'on doit faire dans les écoles. Et que voilà. Merci beaucoup, Lydia. So that's a really important point of how we need to update our curriculum, actually, our provincial territorial curriculums to include the SDGs in Agenda 2030. Many provinces are doing it at different levels. BC just did it. Alberta is in a process of doing it. Amy, you wanted to intervene as well, so I'll give you the floor. Sure. I just wanted to add that for us here in Saskatchewan, a really good way that we've approached that issue is introducing to teachers that they don't need to look at the SDGs as a separate subject in their classes or something that they need to add to the curriculum. It's finding a way to just incorporate it in what they're already teaching. And then it doesn't look so daunting and challenging. It's just adding in or getting them to see that SDGs are everywhere in the curriculum already. It's just finding innovative and interesting ways to teach them. So again, that's what I really appreciate about our modules is that it's global citizenship education. So you can incorporate it and the SDGs into your math class or your social studies class, your English class. Many teachers just look at SDGs and global citizenship education as social studies. That's not the case at all. It can be incorporated into any subject. So, thank you, Amy. So I'll just go now to the Q&As, the questions that have been asked from our audience. Thank you. I appreciate it. So the first question is, do you think there can be a centralized global citizenship education curriculum that could be used across or developed developing contexts, given the socio-political cultural barriers?
So I can address a little bit that, and I'll ask more feedback from our panelists. But I work at the Canadian Commission for UNESCO, and of course we have the international mandate globally. UNESCO does tons of publications and actually did a few on global citizenship education, so it's a big topic. What I find from these international publications is some of them are relevant and some of them are not for the Canadian context. And I think as you go global, it waters down a little bit the context of what we actually do in Canada and in our classrooms. But I do think that there are definitely some tools, and we're seeing more innovation coming from that way. And then, as you also know, in Canada, we have essentially 13 different educational systems. So more and more CMEC, the Council of Ministers of Education Canada, obviously acts as a liaison between all the ministries, and they've been talking about global competencies. So a few years ago, all the ministries of education agreed to global competencies to say, these are things that all students in Canada should learn. And one of the global competencies includes actually global citizenship education, which essentially means that'll ripple out in different ways, but it will mean that it will be part of the curriculum across Canada. So I hope that answers a little bit more of the political aspect of the question, but maybe you'll get it more grassroots to some of our partners to answer their thoughts on global citizenship education and how that could be used in different contexts. So anyone want to take an initial comment on that? Sure. I'll go ahead, Isabel, a little bit. I think when we started, we faced very much the same challenge in terms of how are you going to bring coding into the curriculum? Should it have its own different separate subject? Should it be like X hours in math? We very much encourage teachers, and we started in Quebec, where there was already a very competency-driven curriculum to begin with, was to really look at the cross-curricular applications and to really look at all of the competencies and the global competencies. And I think that it's just really, teachers have to own this, and countries have to own it. I mean, if you go to Kenya, SDGs are in everything that they do. It's right up there up front. And you can mandate it into the curriculum, but you know, at a certain level, you just have to really want to make it the fabric of what you're doing and what you're teaching. I have a follow-up question for you, Juliet, since you're already on, that is directed to you, I believe, and asks, can you speak more about computer leading humans versus humans leading computers? Our concern of lack of humanity in AI. So very interesting philosophical question, but I think important to address as we're talking about AI in education. And this is really the crux of the issue, right? Is that power dynamic with humans and computers, and how much agency we're gonna have and our next generation is gonna have in a world that is increasingly mediated by algorithms. So I think that very much what we want to do with this project is to make sure that the balance is kept in place in such a way that we can use AI for good, because there are so many fantastic applications that we're going to want to use it with, but we're going to want to also be able to think about where we're willing to take the risks of not necessarily knowing where it's going to lead and where we're not necessarily going to want to take those risks. I think, you know, I am on the side of the more you know, the more power you're going to have in that relationship. Thank you. Il y a une autre question par rapport à des ressources de la maternelle à la quatrième année. Donc, je vais juste le généraliser, mais c'est vrai que j'entends toujours dire par les écoles élémentaires de notre réseau des écoles associées qu'il y a très peu d'activités ou de ressources qui existent pour le niveau de petite enfance au niveau élémentaire. Donc, question pour vous. Est-ce que vous connaissez des ressources? J'ai noté que
le guide des enseignants que de la Commission canadienne pour l'UNESCO inclut des activités pour le niveau postsecondaire, également au niveau élémentaire. Donc, pour toutes les sections, il y a des activités suggérées. Mais juste une question ouverte, s'il y a d'autres ressources que vous connaissez, parce que c'est vrai que vraiment les classes virtuelles, toutes les ressources, beaucoup sur l'agenda 2030 qu'on voit, sont plus adressées aux élèves plus vieux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Sarah-Jeanne, est-ce que votre activité, lorsque vous parliez de les classes autochtones, autochtones, est-ce que c'était quel niveau? En fait, ça se trouve de la maternelle jusqu'à la cinquième année environ. C'est sûr que là, dans le moment, on n'a pas, je dirais, un programme là, concret ou spécifique là, qui s'adresse aux plus jeunes. Là. Dans le fond, l'ensemble des activités peuvent être réalisées à différents âges. Là. OK, ça c'est bien. Mais ça, c'est un bel exemple, c'est comme concret de voir que ça peut adresser aux plus jeunes, oui, qui est vraiment important. Puis ça me rappelle qu'on avait fait un projet semblable, nos écoles à Winnipeg, qui était un projet diversité culturelle, qui était justement à ce niveau-là. Bien, c'était plus, ouais, 4, 5, 6e année. Puis c'était entre une école catholique, juive, autochtone et tout ça. Et c'était une introduction à les différents aspects culturels, religieux, spirituels pour que tous les élèves aient une meilleure compréhension. Puis ça va vraiment sous le thème de l'éducation et la citoyenneté mondiale, de comprendre mieux soi-même et de comprendre les autres cultures. Donc, il y a tellement de différents angles qu'on peut intégrer ça. Il y a beaucoup de liens à faire avec d'autres. Oh, pardon. J'allais juste ajouter qu'il y avait beaucoup de liens à faire aussi avec différentes matières, là, que ce soit l'histoire, la langue, l'univers social. Donc, il y a moyen aussi là, de faire des liens avec les compétences à différents niveaux. Oui. J'ai une question pour tous nos panélistes. C'est plus pour les futurs de l'éducation. Donc, l'UNESCO a lancé une consultation globale qui s'appelle « Les futurs de l'éducation ». Et je me demande, des exemples concrets qu'on a donnés aujourd'hui, c'est si on imagine, comment est-ce qu'on imagine le futur de l'éducation après cette pandémie et comment est-ce qu'on peut mieux intégrer justement les ODD? So my last question to the panelists, and I'll keep checking the Q&A, but I have a question that's been burning for all the panelists. So UNESCO has actually launched a global consultation process called Futures of Education. I'll share the link with you. And actually, students can participate. You can actually submit a drawing. You can answer the survey, which takes 2 minutes, or you can do 1,000-word, like a more thorough reflection on it. But essentially, they're just asking, what does the futures of education look like? What do you dream of it? And I think it's a very important question right now, as our educational systems have shifted drastically from going to the classroom to learning at home, etc. So from all these ideas and inspiration that we've heard from our panelists, a question to all of them is, what would you imagine the futures of education to look like? What have we learned? What do we hope and aspire for that our curriculum and our education systems transform the way forward? So, you know, a tiny question. So I don't know if there's anyone that would be brave enough to try to take a stab at it. Sure, why not? speaking from, I used to be a classroom teacher, and now I've moved into a new role at SCIC, working outside of the classroom, but with teachers. Through all of this COVID and the shutdown of schools, and, you know, we're facing many issues. But what I hope comes from all of this is that education becomes more accessible. And what I mean by that is, and my experience is in Saskatchewan and British Columbia, so I have limited classroom experience in two provinces, but what I did find is that schooling was limiting to many students. There's a box that kids often have to fit into, and it can be difficult for many. I was also a special education teacher, so I had worked with students with special needs. So I'm hoping that this just opens up doors for education to become more accessible to students' different learning styles. And I think teachers have kind of been forced to
become innovative and think outside that box that they've been put into by our education system. So I'm hopeful that we can continue to explore different ways of teaching and learning, just to be able to include those students who don't necessarily fit into that box. Yeah. Thank you so much. Je crois que Amy a fait un vraiment bon point, très important, que l'inclusion et l'équité, c'est vraiment important à les systèmes d'éducation et qu'elle espère que dans le futur, ça va être vraiment une partie intégrale de notre curriculum et de voir les différentes façons d'apprendre. So, I just realized our interpreters left, so I'm trying to do it simultaneously, but I think it's a critical point that Amy just made, is the importance of inclusion and equity in our education, in our educational system, and in the classroom, and to make sure that we are using a variety of learning and teaching approaches that will address all student needs. And I think this, like during this pandemic, I just can't keep thinking about that. I have two young kids at home. I asked my partner to make sure they did not invade my room right now. So as I'm now playing the role of a parent and a teacher and everything else, I really realize how, and they're young, so elementary school, how online learning does not work for that age group at all. So I'm very conscious that the need of thinking differently, and that technology can play great tools. Kids Code Gen S has amazing tools of learning how to code online for free if you're interested. So I think that there's so much potential, but we also can't outweigh that with some of the risks and also some of the limitations of using AI and technology, and really at that young age, the tactile learning and hands-on approaches, etc. So I don't know if Sarah Jeanne or Juliet, last words. We are going to be wrapping up in the next few minutes. I'm just going to check, but if you want to also try to answer the futures of education, what is the futures of teachers during the full blast of Industry 4.0? That's a question from James. And then also an important point from Amanda, the organization teachersSDG.org, she shared that. And actually it's a teacher-led international organization. There are many Canadian teachers that are part of that. And I would definitely promote that, and I have through our network. So just to note that that's another great website for basically student teacher-led initiatives to be inspired. But maybe going back to James' question, what about the future of teachers during this this pandemic? So I'll briefly sum up and answer your question about the future of education. One of the really wonderful things that we saw when we put our code clubs on virtually is that we would have kids from Canada, but there would be kids from other countries dropping in. So it was really cool once we had a code club where two kids from PEI that didn't know each other but had met through the code club, which is hard to find two kids in PEI that don't know each other. And then there were, you know, kids from Iran on that call. And I think that this, I mean, there's going to be so many challenges for inclusion, but this is also an opportunity to really create a very global community coming out of this crisis. And I hope that we can really, really build on that going forward. Thank you. Je vais donner la parole à Sarah Jeanne, si vous avez des derniers mots d'inspiration ou réflexion par rapport à les futurs de l'éducation. En fait, c'est sûr que de notre côté, on souhaite poursuivre et favoriser le dialogue interculturel. Compte tenu de l'aisance qu'on connaît, que les jeunes ont avec les réseaux sociaux, par exemple, on est confiant aussi que la création de ces liens-là interculturels va pouvoir se maintenir. Puis façon aussi de susciter l'intérêt puis de s'assurer d'une présence entre les élèves en utilisant toute la technologie qui est à notre disposition. Donc, on va concentrer nos efforts là-dessus prochainement. C'est un point super important. La Commission canadienne pour l'UNESCO avait justement publié un document de réflexion sur la pédagogie autochtone.
qui vraiment essayait de mettre le point sur les anciennes façons d'apprendre et d'enseigner sans les nouvelles façons dans le futur. Donc, je pourrais partager ça avec vous aussi, mais même en tant qu'éducatrice, je trouve que c'est super pertinent. So, my last plug is that I think that point is so important about intercultural learning, and particularly in the Canadian context, in between Indigenous and non-Indigenous peoples in this country. We had published an Idea Lab reflection paper actually titled Old Ways or the New Ways Forward, basically making the point that Indigenous ways of learning and teaching are not just good for Indigenous students, but also for all students in Canada. So I think that's a really interesting reflection for us to think about when we're trying to reimagine our curriculum and our education system, and how essentially that can also be very inclusive for the Agenda 2030 and the SDGs. We are just about to wrap up. I will see if Amy, I'll give you the last word if you have any inspiring comments to make. Wow. I just want to echo Juliet's comment that the future for teachers, I think, for me, looks bright at this point, which feels very interesting to say during a pandemic. But she brought up a wonderful point that this experience, this world experience right now, is bringing us closer together in interesting ways. And what I've seen is a group of educators coming together and collaborating in ways that they never have before. So as she mentioned, I'm working with educators from all over the world right now and sharing their resources with my networks and vice versa, which is something we just didn't do 4 months ago for various different reasons. But for me, it's an interesting time for educators and for teachers, but I think we're going to pull out stronger from this whole experience and really embrace the globalized world that we live in. And I think that brought, this pandemic has brought that to the forefront that yes, we are living in a globalized world. And so we need to work together. Thank you so much for those inspiring words. We are just about to wrap up and right on time. I want to thank all the attendees for being there. Even though we can't see you, we hope you've enjoyed this reflection with us. We'll be sure to share with the organizers of the conference the links to all of the resources that we've shared with you. This session was supposed to be very concrete, hands-on, with lots of resources. I know that we've been speaking through some of them, but really, if you're a teacher, an educator, a parent trying to be a teacher, a lot of these resources are amazing and could help you out in the upcoming weeks. So we hope that you've learned a lot from our panelists. I've really enjoyed and been inspired by examples from the classrooms, from La Belle Région de Gaspésie to Saskatchewan. So thank you all. It's been great to participate in this virtually, and I wish you lots of fun for the rest of the conference. Merci à vous tous pour avoir participé à la session. Bye.